Salut à tous, c'est avec le coach Galago Music. Aujourd'hui pour vous, du bon gros rock'n'roll avec le morceau Rock'n'Roll de Led Zeppelin. Un titre archi connu du groupe qui est sorti en 1971 sur Led Zepp 4. Au niveau de la structure, c'est pas très compliqué. Il s'agit ni plus ni moins d'un blues en 12 mesures en la. Et l'accompagnement de main gauche est construit sur une suite de plans issus justement de la pompe blues. Donc c'est assez intéressant à travailler. Techniquement, c'est pas inabordable du tout. C'est juste qu'il faut bien tenir le tempo et réussir également à pas rater son entrée une fois que la batterie a fait son intro. Allez, je m'en rapproche et je vous montre. J'ai oublié d'en parler au début, mais merci à Cécile qui m'a offert cette super sangle. Elle est vraiment trop stylée, j'adore. Alors, pour bien commencer, vous positionnez la main gauche sur un power chord de La. Tac, donc on veut pas le gros mi, d'accord? Vous placez bien le pouce par-dessus. On veut entendre la corde de La, la corde de Ré, et ce serait quasiment tout. Si, bon, la corde de Sol sonne, c'est pas trop trop grave, mais on veut absolument pas les deux aigus, d'accord? Ok. Au niveau de la main droite, on va faire que des allers-retours. Comme ça, on va bien rester rythmiquement en place. Et ça va donner ceci. On part sur le E du premier temps. 3, 4, 1. E, 2, E, 3, E, 4, E. Voilà. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails et en plus finir, je vais vous balancer la petite partoche qui défile en dessous. En jouant pas vite du tout. 3, 4, 1. E, 2, E, 3, E, 4, E. Ok, encore. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Et vous faites un petit, enfin vraiment mini bend à la troisième case de la corde de La. Arrivé sur cette note-là, on a terminé la première mesure. Youpi, il n'y en a plus que 11. Alors je recommence et j'enchaîne avec la deuxième mesure. 3, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3. Pour les mesures 3 et 4, vous allez être super content, c'est tout pareil. C'est juste qu'au lieu de démarrer sur le E du premier temps comme on faisait au début, on commence direct vers le bas, ce qui va donner 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Je vous fais les 4 premières mesures. 3, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, et troisième mesure, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Pour les mesures 5 et 6, c'est le même schéma, mais c'est juste qu'on se décale en Ré, c'est-à-dire en quatrième degré. Donc là, il faut faire super gaffe, parce que généralement, quand on place que l'index comme ça et qu'on veut refaire la même séquence, on entend des notes pourries dans les aigus, là, d'accord ? On a beau essayer de bien se placer l'index pour faire sonner que lui et bloquer les deux autres, la plupart du temps, il y a toujours une crado là qui vient encombrer l'ensemble. Donc je vous invite à bien viser à la main droite en essayant de pas trop brosser trop loin, de manière à assurer le coup, quoi. Et donc on ferait pareil. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà. Pour les mesures 7 et 8, on refera exactement ce qu'on a fait en La sur les 4 premières mesures. C'est-à-dire 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Pour les mesures 9 et 10, pareil, c'est trop la classe, on remonte juste l'index ici. Et on fait le même plan, mais en mi, on est sur le 5e degré de notre blues. Et on fait donc 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Et pour terminer, re deux mesures en La. Hé hé. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Fin de l'intro, et ensuite on attaque le couplet quand Robert Plant va commencer à chanter. Je refais toute cette intro. 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 3e mesure. Passe en rythme. On repasse en l'air.
ensuite le chant commence, et là c'est vraiment vraiment stylé, ça donne ça. Donc je suis toujours en La, d'accord, sur mon accord, il y a un petit reflet sur la guitare, je suis désolé. Je vais taper ma corde de Sol, premier temps, d'accord. Je la bende d'un tout petit peu, genre un quart de ton, première croche. Et sur la deuxième croche, donc le retour, je fais entendre mon power chord. Donc ce qu'il faut impérativement, quand vous quittez la troisième case, c'est que le pouce vienne bien bloquer le gros mi, parce qu'on veut l'entendre uniquement sur le 3. D'accord, on l'entend ? On l'entend plus, ça laisse la place au power chord. Alors les trois premières mesures, vous faites ceci. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, 2, 1, 4. Troisième mesure, 2, 3, 4. Et la quatrième mesure, on va faire. Alors, je fais le même plan que les trois mesures précédentes. Sol, basse, l'arrivée du La. Et par contre là, je ne le fais pas durer, je l'arrête tout de suite. D'accord. Et après, je refais pareil. Donc avec le rythme, 1, et, 2, et, 3. Voilà, sur le et le troisième temps, on refait pareil. Encore. 1, et, 2, et, 3, et on termine par 3, enfin Sol, Mi. Terminé. Encore cette quatrième mesure. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Cool. Dès qu'on a fait ça, on refait exactement la même chose. Je vous fais donc les 8 premières mesures de ce couplet. 3, 4, 1, 2, 3, 4, deuxième. 2, 3, 4, troisième. 2, 3, 4, quatrième. 2, la cinquième, 3, 4, sixième. 2, 3, 4, septième. 2, 3, 4, huitième. À la fin. Et arrivé à la 9e mesure, on va faire le même plan, mais non plus en La, mais en Ré. Et ce coup-là, pour assurer le coup, pour éviter qu'on ait ces petites notes dégueu dont je vous parlais tout à l'heure, on va se placer en Ré power chord, c'est-à-dire on fait comme un Ré majeur, mais le majeur, justement, on va le réserver pour la basse, et on bloque ce petit Mi. Et là, de cette façon, il n'y a plus de problème avec les petites notes pourries. Donc on va refaire le même plan que ce qu'on faisait en La, c'est-à-dire, ce coup-ci, on tape la 3e case de la corde de La, ensuite, on balance le power chord au-dessus. Donc, je joue les mesures 9 à 12. 3, 4, 1, 2, 3, 4 mesures 10, 2, 3, 4 mesures 11, 2, 3. Et là, la même chose, mesure 12. D'accord, c'est tout pareil que tout à l'heure en La, mais on a juste décalé d'une corde. Et on arrive à la fin de la grille, donc là on n'est plus exactement sur 12 mesures, hein, la structure s'est un tout petit peu allongée. Et pour notre plus grand bonheur, on retrouve les 4 mêmes premières mesures que ce qu'on vient de faire sur ce couplet, c'est-à-dire 2, 3, 4. 2, 3, 4 encore. 2, 3, 4 et à nouveau. Il manque 2 petites mesures et demie et c'est terminé, vous savez faire absolument tout l'accompagnement du morceau. Je vous refais tout le couplet jusqu'ici. 3, 4. Placé en 7 de la corde de La, 9 de la corde de Ré. Et là, on va faire la petite extension du petit doigt, vraiment à la Chuck Berry. Hein, là, on est pur rock'n'roll de la mort. Donc, vous voyez, je gratte toutes les cordes. Hein. J'essaye de faire en sorte que ça et ça, ça sonne et que le reste soit bloqué. Comme ça, j'ai pas besoin de bien viser, en fait. Hein. Je rentre dedans dans le gras et puis voilà. Sur cette fin de couplet, ça nous fait donc 1, 2, 3, 4. Et encore une fois, pareil. 2, 3, 4. Et c'est
c'est donc là qu'il chante un lonely, 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 lonely time. Et vous reprendriez au début. Écoutez, voilà, vous pouvez déjà travailler toute cette partie-là. Je vous ai mis dans la boîte de description le lien du playback. Comme ça, vous aurez l'impression de jouer avec le groupe, c'est marrant. Attention, quand vous démarrez, à mon avis, il faudra que vous y repreniez à plusieurs fois avant d'arriver à choper à quel moment Bonhomme termine son intro de batterie et que la guitare doit rentrer. C'est vrai que j'ai fait quelques essais avant d'y arriver, hein, sur le cover du début. Et en ce qui concerne le solo, eh ben, on est en là, hein. Et ce que Jimmy Page fait, c'est qu'il va jouer uniquement, quasiment uniquement, que sur la pentatonique mineure. Donc les petits plans fastoche qui précèdent le gros gros solo donnent à peu près ceci. Voilà, donc on est sur du la comme ça. C'est vraiment tout ballot, hein. Vous vous placez ici. On fait entendre la corde de sol et la corde de si en cinquième case. Et après, la note la, septième case du ré. 5, 7, 7. Yes, il fait ça plusieurs fois. Après, si vous avez déjà quelques connaissances sur le sujet de l'impro, ben n'hésitez pas à essayer vos propres plans, tout va fonctionner à merveille. Ben écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Cliquez bien sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification par mail qui vous dira « Ah, Mister Galago a sorti un nouveau tuto !» Génial. Je vous invite également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si jamais elle vous a plu. Et retrouvez-moi autrement ben, sur mon site ou sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout est dans la boîte de description. Tout ce qu'on veut là-dedans, c'est génial. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !